Bonjour à tous, me revoici du coup pour l'ouverture du display rupture turbo. Donc j'espère avoir une bonne chance. C'est la première fois que j'ouvre du coup alors un display Jap, non, mais un display du coup japonais d'une grande extension, car habituellement c'était surtout des petites extensions qui sortaient qu'au Japon. Donc surtout les extensions Shiny Collection. Shiny, enfin voilà, vous voyez, c'est celle que je veux dire. Donc du coup voilà, c'est ma toute première grande extension. J'ai décidé de commencer par Rupture Turbo parce que du coup j'ai au final ouvert, comme vous avez pu le voir, pas mal d'origines antiques et pas mal d'impulsions turbo. Donc pour moi ça servait un peu à rien d'acheter un display d'origine antique ou d'impulsion turbo. Donc voilà, alors comment ça s'ouvre ça? Ça s'ouvre pas là. Donc vu que c'est la première fois, je sais pas trop comment les ultra rares sont mises. Si c'est comme dans du coup les cartes Pokécune, du coup ce sera l'avant-dernière carte, donc la quatrième, car il y a 5 cartes dans ces boosters. Et c'est du coup un display de 20 boosters. Alors, ah, c'est que des artworks de Léviator. Je suis un peu déçue, mais bon, je vais quand même acheter du coup les coffrets qui vont sortir. Et également les Pokébox et du coup les duo packs pour les cartes promotionnelles. Donc je suis quand même contente. Ah dommage, je pensais faire du coup un tri ouverture, par exemple Mega Scizaryx contre Mega Léviator, par rapport aux différents artworks, mais vu que c'est les mêmes, on va en ouvrir 10 dans cette vidéo et 10 autres dans la prochaine. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Hop là, donc on va ouvrir ces 10 premières là. Alors du coup là on a le dessin du coup du méga Léviator chromatique en noir et blanc et du Léviator normal. Non, ce sont les mêmes. Excusez-moi. Voilà, si je commence déjà comme ça, je suis pas rendue. Donc c'est bien sympathique. J'espère avoir de bonnes ultra rares quand même. Mon objectif d'ultra rare. Mantaï, ça c'est sûr, en normal ou full art, peu importe. Léviator me plaît quand même pas mal. En turbo, je me souviens plus trop des turbos qu'il y a, donc je pourrais pas vraiment dire, mais c'est surtout ouais, Mantaï qui m'intéresse énormément. Et si pouvait y être, ce serait sympathique. Si je pouvais l'avoir, mais comme vous le savez, ah ben, je vous assure, j'arrive pas, j'ai les mains qui glissent, j'y arrive pas, c'est pas possible. Et pourtant, je suis en train de filmer à la suite de l'ouverture du coffret Pokécune, et j'ai bien réussi à ouvrir les Pokécune, et ceux-là, j'ai trop de mal. Donc ça commence bien. Donc voilà, je disais, les hauts m'intéresseraient, mais comme vous le savez, j'ai une chance extraordinaire, je n'ai rarement les cartes ultra rares que je veux. Donc on verra bien pour ici ce que j'aurai. Et la secrète, j'aimerais bien avoir quand même la secrète qui est magnifique. Donc la carte promotionnelle pub. Du coup sur le jeu Pokémon Méga Donjon Mystère que je vous avais montré. Et sur une carte du coup Décéliande et Décéliande Turbo. Non, c'est pas une turbo que j'aimerais bien voir. Donc alors, si j'ai bien compris, normalement celle-ci c'est la rare ou un truc dans le genre, je verrai bien. Alors on commence avec Meloncric. Qui est franchement plutôt pas mal. Voilà, ça va. Ça passe. Brocélome. Ramolos. Oh, trop mignon. Avec des quantons et des coquillasses derrière. Trop adorable. Crustabri. Ah, j'adore comment il est dessiné. Il est vraiment bien dessiné. Vraiment super. Ah, et du coup, Zeblitz. Oui, c'est ça. Zeblitz. Plutôt pas mal. Alors, du coup, il y a voilà, 3 communes et 2 Yonkos. Donc je sais pas si ouais si j'ai bien fait du coup la quatrième carte en dernière. On verra bien si je tombe sur une ultra hein, de toute façon. Ou sur une holographique. Ou sur une reverse. Donc là pas de reverse, toutes des normales. Bien mignonne quand même. Les cartes sont franchement plutôt sympathiques quand même. Donc j'ai pas vraiment trop regardé l'extension, les cartes qu'il y avait. Pour éviter de me spoiler, parce que bon, je me suis dit qu'au final, à force de regarder quand même les cartes, on n'a plus vraiment la surprise à quoi elles ressemblent, donc je préférais attendre. Hop là, oh là là, bah j'ai massacré le booster. Littéralement massacré le booster. Tant pis. Ah, mais. Hop là. Alors ici, c'est du coup la pub pour alors les decks, les starters
Philalix, Grolem ex, Mystigrix ex, Aquali ex, Voltali ex, Fenar ex. Avec du coup ici Amphinobi Turbo. Ah si, allez, Amphinobi Turbo peut être encore une turbo intéressante à avoir, même si... Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop, je sais pas trop. J'ai pas vraiment, je crois, de turbo vraiment que je veux absolument. Alors... Oh là là. Ah bah déjà, si ça commence comme ça. Oh, je m'en souviens plus. Chlorobule, voilà. Oui, j'ai plus l'habitude, franchement, des... J'ai pas l'habitude d'ouvrir des display Jap, donc du coup... je peux avoir des trous de mémoire, mais en même temps, ça me fait marcher. Ça fait marcher ma mémoire par rapport au nom des Pokémon. Venalgue. Oh zut, gros trou. Putain, mais pour toi, il est facile. C'est Lacmessigne. Oui, ça doit être ça, Lacmessigne. Donc, je suis désolée si je fais des. Pas bon. Yuk. Ah, une dresseuse. Dresseur. Non, je sais pas trop c'est quoi. Elle est pas mal, du coup il y a deux anneaux en fait. Il y a un anneau en bronze et un anneau en argent. Cool. Oh, une. Alors, RR, c'est quoi? C'est ultra rare? Ouais, ça doit être ça. Bah, du coup, une ultra rare, apparemment. Apparemment. Apparemment, une ultra rare. Ma première au deuxième booster. OOX! Wouhou! Oh, juste au deuxième booster, ça m'est jamais arrivé. Trop cool! Bon, bah, ouais. J'avais voulu quand même. OOX était dans les cartes du coup que je voulais. Voilà, donc je suis contente. Ah bah voilà, deuxième booster, première ultra. C'est cool ça. Si j'ai plus de chance au final que dans les boosters français, bah je vais ouvrir, je vais acheter que des boosts, des displays Jap. Ah trop bien, trop bien. J'adore, j'adore. C'est une carte, elle est magnifique quand même. Elle est plutôt pas mal. Ah j'adore, j'adore. La chance commence, la chance commence. C'est cool. C'est vraiment super. Allez, troisième booster. On est parti sur la lancée. Donc c'est cool. C'est la première fois franchement où la première ultra que j'ai. C'est vraiment une ultra qui était dans la liste des cartes que je voulais dans une extension. Alors du coup, pub pour le Pokémon Rumble du coup qui était gratuit du coup sur le Nintendo Shop. Et du coup qui est sorti en version... Voilà, enfin pas en disquette mais voilà en version réelle. Alors du coup bah le OOX que j'ai eu, donc je suis contente, je suis vraiment contente, c'est super. Donc du coup je me suis pas trompée, voilà la quatrième c'est l'ultra rare ou c'est la rare ou tout court. Alors Melofey qui est hypnotisé avec un hypnomade derrière. Oui, c'est un hypnomade. C'en est un. Ratata, ah plusieurs ratata, cool. Avec le monde inversé du coup de l'autre côté, trop bien, il est vraiment pas mal. Coquillasse, cool, comme ça j'aurai les deux. Trop super. Alors, une autre dresseuse. Je sais pas ce que c'est. C'est une chienne, on a l'impression que c'est une sorte de... vous savez les gros boulets que les chevaliers utilisaient avec des pics, mais sauf que là c'est avec des rochers. Bon, plutôt sympathique. Et une Yonkos Camerupt. Cool. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Aucune reverse, j'ai toujours pas l'occasion de voir à quoi ressemblent les reverse japonaises ou même les holographiques japonaises. Allez, c'est que le troisième, quand même. Pour le moment, j'ai beaucoup de chance. Je suis contente, je suis contente, je suis contente. Allez, c'est parti. Et du coup, dans cette extension, il y a voilà 80 cartes. Donc pour moi, un display suffisait à plutôt bien normalement compléter l'extension. Quand il y aura plus de du coup de 100 cartes, enfin s'il y en a que 102 ou un truc dans le genre, ça vaudra pas le coup d'acheter deux displays. Par contre, s'il y en a 130, 140, là j'achèterai sûrement deux displays. Hop là, c'est parti. Alors, Seraphros qui... Oh, il est mignon. Il est mignon. Oh, Zébubron, trop bien. Comme ça, j'aurai les deux. Krixik. Du coup, Unionkos. Oh, super, la traîneur. Elle est franchement magnifique. Elle est sublime. Trop bien. Ah, oh, elle est super. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Et en Yonkos, Pandarbar. Cool. Cool. Oh, je suis contente. La traîneur, elle est magnifique. Ah, oh, elle est super. Et du coup, c'est une traîneur en fait qui a double effet parce que quand on la met dans ce sens-là, elle a un effet. Voilà. Je sais plus ce qu'elle fait comme effet, mais du coup, en fait, les effets selon comment vous mettez la carte est différente. Trop bien. Ah, je suis contente, je suis contente. Mais j'ai toujours pas eu de rare en fait, je crois. Commune, Yonkos, Yonkos, commune, Yonkos, Yonkos, commune. Non, j'ai toujours pas eu de rare.
Du coup, donc là c'est combien? Il me reste une, deux, trois, quatre. Eh ben, du coup, c'est le cinquième. Cinquième, cinquième. On croise les doigts, on croise les doigts. Tac. Mais au final, je pense que je devrais plutôt, même si l'extension est petite, acheter deux displays. Parce qu'au final, les displays Jap coûtent vraiment pas cher. Donc, je pense que je devrais vraiment me faire plaisir. Ah, cool, la carte promo. Voilà, pourquoi je dis toujours promo? Trop l'habitude. Carte pub, du coup, pour le Pokken Tournament. Ah, super. J'ai vraiment hâte qu'ils sortent. J'ai pas la Wii U, mais je me suis acheté le jeu parce que voilà, c'est vraiment super. Sachant que pour. Alors, je sais pas si c'est pour ceux qui précommandaient le jeu ou juste pour les premiers. Personne qui précommandait le jeu, ou je sais, enfin, je sais pas trop comment ça gère. Du coup, en fait, il y a une carte Amiibo Mewtwo qui sera donnée. Mais je sais pas trop comment elle va être gérée, cette carte. Avec du coup le Léviator chromatique. C'est super, c'est super. Allez, une petite reverse ou une petite holographique, ce serait sympathique. Grain dur! Grain dur, grain dur. Je savais même pas qu'il était dans cette extension d'ailleurs. Pas mal. Ah, oh, Mélocric, trop bien. Krixique et Mélocric, cool. Grenousse, oh il est trop mignon. Il est adorable comme tout. Yonkos, une autre dresseur. Donc, elle, je pense que ça doit être voyou ou un truc dans le genre. Ça peut être que ça, vu la dresseuse que c'est. Et une Yonkos, Similarbre, entourée de Desselianes. Ok. Vous ne voyez pas les Desselianes, je suis cachée, je suis un arbre. Pas mal, pas mal. Allez, on approche des 5 derniers boosters. Ah, j'aimerais bien, franchement, avoir une autre ultra. Ou même juste une rare pour voir à quoi ressemblent les rares du coup japonaises. J'aimerais bien une rare holographique ou une reverse. Que j'ai pas de rare holographique reverse en fait. On est toujours pas eu. Je l'ouvre bien, non, je l'ouvre mal. Hop là. Et du coup, c'est vraiment super en fait, parce que derrière tous les boosters, il y a du coup 80 plus les points d'interrogation, c'est le nombre de secrètes. Ensuite, vous voyez que là, il y a 37 communes, il y a 24 Yonkos, il y a que 8 rares et 11 ultra rares. Et du coup, les secrètes, et ben, point d'interrogation, parce que voilà, on sait pas combien il y en a. Mais il y a qu'une seule secrète. Dans tout le lot, il y en a qu'une seule. Ce qui est déjà quand même plutôt pas mal. En plus, elle est magnifique. C'est parti. Alors, Gricknot, trop mignon. Alors, j'espère franchement avoir Karchakrok parce qu'il est super. Ma première double, Ramolos. Ah, Brosselome. Deuxième double. Oh, Milodelf. Oh, il est trop mignon. Il est super. Il est trop adorable. Et en dessous, une Yonkos. Voilà, une traîneur. Donc ça, c'est quoi ça? Déjà, c'est le rappel, non? Le soin, potion, super potion. Je sais plus trop ce que c'est. Ça doit être la super potion ou un truc dans le genre. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Bon, du coup, j'ai eu mes deux premières doubles. Moi, c'est pas mal. Quand même, c'est pas mal. Sur toutes celles que j'ai ouvertes, ça va. Ensuite, ensuite, ensuite. Alors, j'aimerais bien les ouvrir proprement, si je pouvais. Alors, les boosters japonais sont beaucoup plus durs à ouvrir que les boosters français, apparemment. Voilà la galère. Allez, on ouvre tout ça. Tac. Hop là. Flagados, oh il est trop mignon. Il est trop adorable. Je me souviens que je l'avais vu comme carte et il est vraiment super. Suicune aussi est magnifique. Chlorobulle. Rapion. Ah, lui je l'avais pas, je l'avais pas. Alors, oh Fragilady. Elle est trop adorable. Oh, elle est vraiment trop mignonne. Elle est super. Ah, une autre ultra. C'est qui? C'est qui? C'est une turbo, c'est Rattata Turbo. Wouhou. Ah, classe, ma première turbo. Ah, elle est vraiment magnifique. J'adore le revêtement holographique. Ah, il est super. Classe, Rattata Turbo. C'est vrai qu'il y avait Rattata. Ah, il est cool. Il est cool, il est cool. Franchement, il est plutôt cool. Ma deuxième ultra rare. Cool. Ah, super. Super, super, super. Pas mal, pas mal. Je suis contente, je suis contente. Allez, on continue, il me reste plus que 3 boosters. Et du coup, j'ouvrirai les 10 derniers dans une autre vidéo, du coup. Hop là, dans une seconde partie. Oh, mais ah non, tu veux, vous voulez pas venir, hein? Hey, vous aurez une belle maison. Hop là!
Voilà, quand on dit ça, direct, ils viennent. Tac. Donc ça fait bizarre franchement de voir la boussole où il n'y a que 5 cartes. Ça fait un peu vide. Alors, Coquillasse. Yes, Max. Oh non. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Il est dedans, lui. Ah, il est pas. Alors, encore le dessin, ça peut à peu près faire passer le Pokémon qui est dessus. Shaglam. Oh, il est super. Je l'avais eu du coup en ouvrant des échantillons de booster de rupture turbo. Et c'est vrai qu'il était vraiment magnifique. Je l'adorais comme carte, il est vraiment super beau. Ah, entraîneur lien spirituel Megaleviator. Cool. Et une rare, ma première rare. Oh, ma toute première. Ah bah voilà, Miasmax. Voilà. Remarque, autant avoir les deux. Cool, ma première rare. Ah, elles sont vraiment superbes. J'adore, j'adore. Elles sont beaucoup plus belles que les, au final, que les versions françaises. Je pense que ça doit être l'holographique. Ah, elle est super. Elle est magnifique. J'adore. Elle est vraiment magnifique. Oh, super. Ah bah comme ça j'aurai les deux. Cool. Vraiment super. Je suis contente. Ma première rare, hein, quand même. Je veux pas dire, mais c'est ma toute première. C'est super quand même. Je suis contente. Allez, avant-dernier paquet. Hop. Ah, donc lui, je l'ai bien ouvert. Tac. Hop là. C'est parti. Alors, bec Krixik. Notre adorable petit Krixik au bord d'une petite falaise sous la pluie. Ratatak! Ah, oh, il est super! J'adore. Il est vraiment super. Il est quand même magnifique. Tritonde! Ouais, Tritonde, quoi. Désolé. Cryptero! Pas mal, pas mal. Pas mal. Ça va. Et. Ah, une autre ultra rare! Trop cool! Alors, 57. Est-ce que. Non, c'est bon, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas eu. Alors, c'est qui? Ah, oh, revêtement métal, ça doit être Scizaïox ou Méga Scizaïox. Allez, on va essayer. On va essayer de croire que c'est la Méga. Eh non. Scizaïox X, trop bien. Ah, je suis contente. Je suis vraiment contente. Il est magnifique quand même. Il est super. Et en plus, ce qui est bien, c'est que je vous assure que même si j'essaye en fait de toucher, il n'y a pas vraiment de différence. Donc en fait, niveau triche, je peux même pas essayer. Ah, trop cool. Je suis vraiment contente. Il est magnifique quand même. Il est super. Waouh. Waouh. Voilà, Scizaïox. Ah, trop bien. Il est vraiment magnifique, même si c'était pas celui qui était dans ma liste, mais il est vraiment magnifique. Je suis contente. Waouh. Waouh. Allez, dernier booster pour cette première partie. Hop. Tac. Et voilà. Alors, Chamallow, que j'avais pas eu, adorable Chamallow. Grenipio. Ah, Croix-Pourale. Trop bien. Énergio. Et pour terminer, Unionkos. Ah, bah l'autre, du coup, dresseur bracelet ou lien, je sais pas quoi. Voilà, donc voilà pour cette première partie. Je vais être un peu court du coup pour vous présenter toutes les cartes. Bon, allez, je vais quand même essayer de vous les présenter toutes pour cette première partie. Donc alors, Energio, Croix-Pourale, Grenipio, Chamallow, Cryptero, Tritonde, Ratatak, Miasmax, Miasme, voilà. Lien spirituel, Megaleviator, Shaglam. Fragilady, Rapion, Flagados, Gricknot, Melodelph. Donc ça doit être super potion ou un truc dans le genre. Trainers, je pense que ça doit être voyou ou quelque chose qui y ressemble. Grenousse, Melocric, Graindure, Simularbre. Du coup la Trainers qui est franchement la plus belle. Voilà, bon c'est pas le nom de la carte mais bon. Krixik, Zébibron, Seraphrous, Pendarbar. Une autre Trainers, Coquillasse, Ratata, Mélofée, Camerupt, une autre Trainers, désolé, Lacmessigne, Venargue, Chlorobule, Ramolos, Brocélome, Mélocric, Crustabri et Zeblitz. Donc voilà pour les peu communes et les communes. En rare, donc du coup j'en ai eu qu'une seule.
Mias Max. Mais bon, vu qu'il y a en tout que 8 rares, bon, ça peut quand même. Voilà, genre, il m'en restera plus que 7 à avoir. Mais voilà, je suis contente, même si à mon avis, c'est pas la rare que franchement j'aurais voulu avoir en première. Mais je suis contente quand même de l'avoir eue. Et du coup, les trois petites ultra rares que j'ai eues. Donc en dernière, bah, Cisaiox. Le Ho-Oh qui était du coup dans ma liste de cartes que je voulais. Et Rattatak Turbo. Sachant que c'est la première partie de cette ouverture de display, j'espère que dans la seconde, je vais au moins avoir également trois ultra rares. Ce serait vraiment super. Et si je pouvais exploser mon record d'ultra rares qui est de 8, j'avais pas filmé du coup le display à ce moment-là. C'était celui de Vigueur Spectrale. Mais j'espère au moins minimum avoir 5 ou 6 rares, ultra rares. Ce serait vraiment super. Donc je vous dis à tout de suite. Ou plutôt, non, je suis désolée, je vais être vraiment méchante, mais plutôt à la semaine prochaine, du coup, pour la suite de cette ouverture de display. Et surtout, n'hésitez pas, si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner et à faire partager ma chaîne.